avez la pêche, peut-être un petit mot ce que ça se passe. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Destiny 2. Donc, en effet, le jeu. Donc, j'ai déjà fait une vidéo découverte de 2h40 sur le jeu, quoi. Donc, c'est ça. Donc c'est ça, donc je fais cette vidéo un petit peu après la vidéo sur Apex Legends. Parce que oui, en effet, j'ai fait une vidéo sur Apex Legends. Ouais, si j'avais fait une vidéo de 2h40. Là aujourd'hui, ça va pas être une grosse vidéo. C'est ça, je suis tout seul là, comme vous avez vu. Je suis pas avec Black Monkey, bref. Parti faire quelque chose, fait que. Voilà. Donc j'ai beaucoup joué depuis là, la première vidéo, donc ben, beaucoup. Ouais, ben j'ai plus de puissance. C'est la première vidéo, j'avais, j'étais au début du jeu, tu sais, ma puissance elle venait de commencer là. Là je suis à quoi, à 850 de puissance, tu sais, fait que j'ai augmenté pas mal. Black Monkey s'est encore payé, lui il est à 900 cuc. Bref, ça va être une petite vidéo, ben, à peu près d'une de 30 minutes là. Ou que, en fait, qu'est-ce que je vais faire pour ceux qui se le demandent? Ben, on va faire des aventures en fait. Parce que la Terre, il me reste juste à faire les aventures, donc. C'est ça. Bah, qu'est-ce que c'est ça? Je suis un chasseur, je suis à 854. Et voilà. Plus long, c'est le temps de chargement, c'est vraiment long là. On va peut-être faire une ou deux aventures. On va aller à la Terre. Donc à la Terre, il me reste encore et. Ah, il m'en reste trop, c'est possible. Point de passage, on va se TP là, le bourbier. Donc, je suis tout seul, comme je vous ai dit. Ah, ouais, mon vaisseau. J'ai changé mon skin de vaisseau. Puis le skin aussi de mon. De ma voiture, là. Donc, désolé si les chargements sont longs, là. Mais bon, c'est le jeu, hein. Ah, il est stylé, hein, mon vaisseau, hein. Moi, je trouve, là. Il y a aussi un mode multi que j'ai vu là, ben domination et tout là. J'ai pas encore essayé là. C'est même la quête principale. J'ai même pas commencé encore là, fait que. Il y a tellement de trucs dans le jeu là, ça a pas juste pas de sens. Non, c'est à vrai 10 minutes, je vais peut-être en faire. Je vais peut-être faire les 3. Ben c'est 5, 10, 15 minutes là, mettons. Bref. Je vais faire peut-être 2, parce que je ne veux pas te faire une trop longue vidéo non plus là. Tu sais, après que j'ai fait une vidéo de quoi de 20 minutes là.
Ouais, comme vous voyez, ma puissance, renseignée sur renseignée 3, 854 de puissance. Mon foie, c'est tristé parce que j'ai une espèce de bâton électrique. Dégagez, c'est ma quête. J'ai plutôt des bonnes armes, je dirais aussi. 750. Allez, une petite aventure. Forêt, zone morte européenne, énergie décorrompue, point d'interrogation, Légion Rouge, Brian. Qui est Brian? Déception de la Légion Rouge. Gardien. Une centurion améliorée. Des cabales avec de nouveaux pouvoirs. Ça ne présage rien de bon. Nous ouvrons l'œil pour trouver toutes sortes ah, voilà. d'énergie psionique inhabituelle. Ah! Exception. Il protège ce centurion avec un bouclier? Un bouclier. Ça veut dire qu'ils utilisent l'énergie des corrompus. Mais comment? Les psions de la Légion Rouge sont déjà coriaces. Si en plus ils ont les pouvoirs des corrompus. Depuis quand les cabales et les corrompus partagent leurs jouets? On fera le lien plus tard. Pour l'instant, il faut découvrir la source de cette énergie. Mais là, faut aller où là? Ah, ok, faut juste. Je détecte oh, une nouvelle botte. Je parie qu'elle se répand vers les psions de toute la zone. Si c'est le cas, ça pourrait provoquer un fléau de ténèbres d'une ampleur inimaginable. Ikora, tu vas leur flanquer la trouille. Bah, nouvelle botte encore. En fait, lui, il est plus important parce qu'il y a l'énergie des tristés. C'est que tu le bouclier du centurion. Centurion, pardon. Voilà, 300 sur Mickey. C'est bon, j'ai extrait des coordonnées de ce centurion. Mais il va falloir aller. What? Qui me shot? Vous êtes sûr? Il ne faut pas vous faire, vous savez, manger par un arbre obscur des corrompus. Cade, qu'est-ce qui t'est arrivé exactement sur Nessos? Regardez. Regardez comme il est beau mon véhicule. Hein? Alors, ils se sont fait manger? Non, ils ne se sont pas fait manger. Mais faites bien attention. Hey, qui c'est sait beau. Ce qui se cache dans cette forêt? Je parie qu'il se cache quelque chose de très gros et très corrompu. C'est sûrement le pari le moins fou que tu as fait depuis des années. La forêt obscure, voilà. Ce portail est relié à la forêt. Les psions ont trouvé le moyen de l'ouvrir. Eh bien, content de vous avoir connu. Cade. Oh merde. Boss. Putain, mais c'est quoi ce truc-là?
Gars, j'ai augmenté mon attaque spéciale. Il a été étourdi quand nous avons éliminé son pion. Briser leur lien peut provoquer un contre-coup pour l'hôte. Intéressant. Je suis le seul à n'avoir aucune idée de ce dont vous parlez. Oui. Regardez, je suis Zeus. Mais où la source d'énergie, je sais pas quoi là. Faut peut-être que je reviens en arrière. Ok, non. Bah ouais, on va se promener les mecs. Non! Putain, je suis con, je l'ai pas face. Ah, j'ai vu un portail là-bas, là. Ce à quoi je m'attendais. Ils risquent de ne pas être contents que vous entriez dans leur fort magique secret. Un gros corrompu, un cabal corrompu, un. Mettez fin à la crise des corrompus. Un colosse. Bien sûr, il faut le détruire. On essaye. Un colosse, c'est quoi cette affaire-là? Bon, moi j'ai assez de puissance, hein, c'est pour ça quand même. Il va me tuer. Mais non, mais il gosse là. Ah,
Mais non, mais il gosse, là. Mais non, mais il m'énerve. Ah. Mais non, mais il m'énerve. Presque mort. Oh mais putain c'est chiant par contre. Putain. On a réussi. Ils sont tous morts. Un nouveau casque. Ça devrait maintenir la Légion à distance un moment. Ça leur apprendra à manipuler des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est ta spécialité, après tout. Quant à vous, gardien, bon travail. Livrée à elle-même avec des psions à ses côtés, cette brute aurait pu devenir inarrêtable. Et je n'aurais pas gagné ce pari. Gros et corrompu, je vous l'avais bien dit. Un casque, un bras, un gun. Ok. Un autre petit après là. Un gun c'est quoi? Non. Ah c'est un pompe. Ah cool. Bon bref, voilà, on va se taper là, là.
Après cette aventure-là, on va arrêter pour aujourd'hui là. Ah, encore ce monsieur. Ah, assistant, vous arrivez juste à temps pour rejoindre mon groupe de recherche sur les anomalies dimensionnelles. Capitaine, bonjour. Achermir dit que je fournirai le soutien informatique et que vous vous occuperez de la force brute. Quel grossier personnage! Commençons par des combats barbares au corps à corps contre les corrompus. Cette proposition est rigoureusement scientifique et absolument pas suspecte. Renom. Ah. Là c'est un niveau 4. Ok, maintenant. Autant de radiation corrompue, ça ne peut pas être bon pour la santé. Sottise! Il n'y a aucun risque à être exposé de façon prolongée aux radiations corrompues. C'est inexact, Acharnir. Je vais maintenant vous donner la liste des 14 effets incapacitants engendrés par une exposition prolongée à de la matière extradimensionnelle. Ça ne sera pas nécessaire. Assistant, poursuivez l'expérience. Avancez jusqu'au centre de recherche de la Légion Rouge.
Nous sommes presque au centre de recherche. Donc, nous nous contentons de marcher. Mais, comme les corrompus. Les corrompus vous prendront pour l'un des leurs et ils vont envahir la zone morte européenne. Achermir a dit que ce serait comme une épidémie. Un vrai fléau. Ce résultat n'est garanti que si nous ne détruisons pas les infections. Ne surchargez pas notre cobaye de données superflues. Cobaye ? Oh putain, je suis crevé le mec. Quelque chose semble différent. Je crois que ça fonctionne. Ils vont se faire corrompre. Excellent. Il veut dire que vous avez agi correctement. Les corrompus vont maintenant envahir la zone tel un fléau. Parfait, l'expérience progresse. Détruisez les infections immédiatement. D'extraction de l'humain. Éliminez-les tous. Et les corrompus et les cabales vont maintenant se battre jusqu'au dernier. Génial. Gros tas de lumel en approche. Ma parole, vous devriez en garder un peu pour vous, vous savez. Vous êtes clairement quelqu'un qui gagne à être connu, et je serais honoré que vous pensiez la même chose de moi. Passez donc me voir. Allez, Martin. Ça a marché. Toutes les infections sont détruites. Du système solaire et qui continueront à apparaître pour l'éternité, ou du moins jusqu'à ce que le soleil s'éteigne. Ça n'a pas été scientifiquement prouvé, mais sinon, bon travail, groupe de recherche. La Légion Rouge a démontré une vulnérabilité significative à l'entropie concentrée. Ça mérite d'être étudié de plus près. Un gun puis une cape. Dang.
Bon, mais bref. On va retourner à la coop, puis on va s'arrêter ici. La tour, peu importe. Donc c'est une petite vidéo sur Apex, puis sur non, c'est une petite vidéo sur Destiny. Donc les poteaux, c'est ça. J'allais mettre les vidéos en ligne après. Puis je vais aller tout de suite les éditer. Donc c'est un peu de Destiny, Apex, puis peut-être du Humbo aussi, faut que je reprenne. C'est longtemps que je l'ai pas joué, mais bon. Nous ne nous laisserons plus jamais prendre par surprise. Ce sera un sombre chat. Ok, je vais juste apporter mon stuff d'un coffre, là, puis après ça, ça va être tout sur une petite vidéo. Ouais, je vais pas faire une vidéo de 2h40, là, quand même. Ah, puis après on va aller voir aux objets perdus. Voilà, aux petits objets perdus. Bah, en tout cas, le poste, le peu importe. Des fois, ils peuvent donner des ambiens, hein. Engramme légendaire. Oh. Ah, attends, c'est ça, j'ai oublié des coffres. Mon inventaire, quoi. Attends, je regardais mes armes, là, peut-être j'en ai de meilleures. Certains de ces fichiers sont plus anciens que la cité elle-même. Non. Mais c'est impossible. Non. Ah, là oui, par contre. Ah. Non. Cent sept sur 500. Mon stock
Donc c'est tout pour cette vidéo sur Destiny 2. Donc on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos là. Sur Apex puis Destiny, je sais pas quand. Hein. Peut-être dans 2-3 jours là, je sais pas. Bref, c'est tout. Moi je vous dis ciao et à la prochaine. Bye bye.